suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Coucou tout le monde, aujourd'hui vous et moi on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va changer la couleur de ma crinière. Alors pour ce faire, on va utiliser une crème éclaircissante qui peut éclaircir jusqu'à 8 tons de la marque Schwarzkopf. 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 Merci. Donc cette boîte m'a coûté 7 € et des poussières environ. Hello. Si Enola veut la même crinière que moi, elle va devoir utiliser la coloration de chez Schwarzkopf Bombard couleur arc-en-ciel. Wouh! Voyons, voyons le résultat. Et surtout, est-ce que ce sera aussi beau que sur moi? Allez, c'est parti pour la décolo. Un flacon applicateur avec l'émulsion révélatrice, la crème éclaircissante, un après-couleur et un éclairateur blondissant ultra plus. Donc c'est... voilà, j'ai l'impression que c'est la poudre en fait. Alors, une fois que vous avez bien mélangé les ingrédients en suivant bien les instructions, on applique sur les cheveux et après on laisse agir environ 30 à 45 minutes. Moi, j'ai déjà les cheveux colorés, alors on va partir de la racine. Et c'est parti! Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière swaggy. Elle est douce comme Beyoncé. Unicorn! Une licorne, c'est une corne avec un cheval au bout. Chez nous, y'a pas de sexe, on fait seulement des bisous. Nous, on vit dans des villas, sur des putains de nuages. Et nos croupes sont plus charnues que le cul de Nicki Minaj. Bon bah voilà les amis, les 30 minutes sont écoulées. Et alors maintenant je vais me rincer les cheveux. Et on se retrouve juste après. Ouais, alors je précise, hein, j'ai mis surtout sur les racines. Et pas vraiment, pas trop sur les longueurs. Et pas sur toutes les longueurs. On va voir ce que ça donne. C'est, encore une fois, c'est pas une décoloration. Hein. Donc voilà. C'est moins agressif. C'est juste une... C'est quoi? Un éclaircissant, ouais. Allez, je te laisse y aller et on se retrouve après. Pendant qu'Enola va se rincer les cheveux, moi je vous montre ça. C'est le soin qu'elle a à faire juste après le rinçage. Voilà, donc c'est pour reprendre soin de la chevelure, de la crinière. Voilà. Few moments later. Là, on est sur du masque soin éclat. Par contre, ils nous disent... mélange la crème colorante au masque. Ah oui, d'accord, au masque soin pour créer ta couleur personnalisée. Intense ou pastel. Et nous là, on est plus souvent dans du intense. Donc c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Plutôt intense. Donc du plutôt intense. Donc ça, on va le garder, on va le mettre de côté dans notre étagère à soin. Voilà, et on va le garder pour plus tard ou même on va quand même peut-être en utiliser un pour la fin de la couleur pour le rinçage. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Pour avoir des couleurs intenses, vives, comme ça, comme elle a Enola d'habitude, vous les utilisez telles quelles. Vous les versez dans un contenant. Vaut mieux s'équiper de pinceaux hein, avant. Nous, on a celui-ci de chez Schwarzkopf. J'arrive pas à le dire, de chez Schwarzkopf. Et on l'a avec le bol, mais vous pouvez en avoir de très bons en bas de gamme. Hein. C'est juste que voilà, on nous l'a offert, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez utiliser ça aussi, mais prenez des pinceaux, ça c'est important. On y va? Donc, ouais. on met le contenant là-dedans. Donc, moi, je vais faire celui-ci. Moi, c'est quoi? Où c'est que tu vois la couleur? Non, mais on les met, et puis après, on va faire... Je suis trop nulle. Ouais, donc moi, je vais mettre le violet dans le truc, là. Donc, vous avez, comme tous les tubes, voilà, vous voyez, la pointe, hop. Wow. Alors, c'est pas facile parce que je suis derrière. Je vais faire le bleu normal. Oh! Parce qu'il y a deux bleus, il y a bleu normal et turquoise. Ah bon, ils ont fourni deux bleus? Bah ouais, là, il y a juste écrit bleu, donc, et sur là, c'est... Voilà, du violet. Donc, je vais couper et puis je vous reprends après. Oh, il est trop bien foncé celui-là, j'adore! Voilà, on a les trois couleurs de base, mais ce qu'on a fait, c'est que... on a rajouté une couleur à tout ce qu'on va faire parce qu'il y a du violet, du bleu et du turquoise. Le violet risque d'être foncé. Et on s'est dit qu'il y avait deux tons de bleu, mais au niveau du violet, il n'y a pas. Donc on a maintenant du fuchsia, que là vous ne voyez pas, mais qui est quasiment de la couleur du pinceau. Bon, vous ne le voyez pas, vous le verrez sur la tête d'Enola. Et du violet ici. Alors, au niveau de la texture...
Ça se ressemble énormément puisque ce sont deux produits Schwarzkopf. Eh oui. Et par contre, l'autre, c'est pas... Celui-là, ils sont pas les frais, celui-là. Non, mais c'est Igora, je crois. Et la petite boîte qu'on teste, c'est du Bombard. Voilà, donc on va essayer deux produits. Donc normalement, ça devrait faire, puisque Igora, on connaît. Enfin, je crois que c'est Igora, voilà. Mais ça, on vous en parlera plus quand on sera à Toulon. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par appliquer la couleur fuchsia sur quelques mèches en alternance, comme cela, clac, clac, clac. Le mieux... c'est de s'équiper de quoi ? De papier d'alu, hein, parce que bah, pour isoler les mèches, j'ai complètement oublié, donc on n'aura pas, tant pis, on fera sans. Ouais, donc on y va quoi ? Ouais, c'est parti ? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques, mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Avec un cheval au bout. Chez nous y'a pas de sexe, on fait seulement des bisous. Nous on vit dans des villas sur des putains de nuages, et nos croupes sont plus charnues que le cul de Nicki Minaj. Je suis une licorne qui fait du bodybuilding pour plaire à Ryan Gosling. Je suis une licorne qui aime manger du popcorn bien à l'aise devant YouPorn. Break time. Licorne. 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 Magic Power, Yolo Dance, Dog Dance, Jean-Pierre Foucault Dance. Bon alors, merdite. Alors, oui, c'est trop bien. Après le rinçage, voilà ce que ça donne. Alors, moi je trouve ça pas mal. Et Nola, toi aussi, on a bien fait de rajouter la quatrième couleur. Hein. Ouais. Ouais. Et là, alors du coup de face, hop, parce qu'on a l'autre côté. Alors là, on a bien la démarcation. Il va falloir bien la nettoyer parce que okay. Tiens, rapproche-toi un peu. Là, vous voyez, c'est un petit peu sur la peau, mais ça, c'est... voilà, avec toutes les colos, c'est comme ça. Bon, on va enlever tout ça. Ouais, voilà. Là, moins, parce que j'en ai moins... Je me suis moins étalée, donc on a un petit peu de cheveux longs. C'est pas grave, ça fait stylé aussi. Là, comme vous... Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais là, il n'y a pas eu de colo, donc on est sur le vert un petit peu de ce qui reste de la couleur d'avant. On n'avait pas assez de décolo et pas assez de coloration comme ça. Donc, il y avait... Non, il faut savoir qu'on a pris la dernière boîte, hein. Il n'y avait plus rien après, ouais. Dans le coloret, la Bombard. Et donc, pour Enola, il faudrait quand même deux boîtes. C'est préférable, avec les cheveux longs qu'elle a, l'épaisseur, voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce qu'on est un peu à contre-jour. Mais donc, du coup, là, en dessous, voilà, c'est l'ancienne couleur. J'ai essayé aussi d'aller en dessous pour la nouvelle. Donc là, ils sont mouillés, donc ce n'est pas encore bien éclatant. Si elle attache ses cheveux, bon ben derrière on a la petite racine là, un petit peu de violet de la fois dernière, du bleu, enfin il y a toutes les couleurs quoi. Ouais. Voilà, donc maintenant on va attendre que ça sèche et puis on verra bien comment ça se passe puisqu'on n'a plus de sèche-cheveux et Nola vient de m'annoncer qu'il a claqué. Ouais. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. Ça sèche. Que ça sèche. Ouais, et après on reprend. Ouais. Bah, je sais pas. Là, ouais. Regarde. Quoi? Retourne-toi, regarde en dessous de l'évier. Oh, magnifique, t'es trop bien. À chaque fois, je sais pas ce qu'elle fait, dans toute la pièce, là, on l'a retrouvée sous la commode, on l'a retrouvée dans le coin de la baignoire, on l'a retrouvée un petit peu partout. Oh, tu voulais qu'on te fasse la couleur, toi aussi? Mais c'est oui. Pas possible. Oui, il y a le bout des oreilles. C'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Activez la petite étoile qui est juste à côté, à liker, à partager la vidéo, à commenter, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt mes petites courbes de licorne adorées.